Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Et rien que pour nous, merci d'être là. Vraiment apprécié. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Venez me rejoindre sur euh, Facebook, sur Patreon aussi. J'en ai marre. Beaucoup d'exclusivités. De, Mes deux autres chaînes aussi. Les liens sont dans la boîte de description. les visiter aussi, si vous voulez, mon site internet, j'en ai marre.net. Merci à tous ceux qui se dévouent pour nous envoyer des liens, des informations, des messages de dernière heure. C'est vraiment. C'est vraiment la source de l'existence de chaînes comme la mienne, c'est l'intelligence des gens et ce, ce relais hein, qu'on a entre nous pour se partager des histoires, partager des événements, des faits et la réalité, et non pas le délire dans lequel plusieurs vivent malheureusement. Tu as, as trois types de gens hein, as... ceux qui écoutent les médias traditionnels et les élites, donc eux, sont complètement dans une fiction euh, totale. Un déni de ceux qui sont dans les conspirations, qui sont dans une autre sorte de folie, l'autre extrême, puis il y a ceux du milieu qui vont visiter les deux, après ça, qui s'en vont dans d'autres sentiers, puis qui savent que c'est ni à gauche ni à droite que la vérité se trouve, mais quelque part entre les deux. Il faut faire beaucoup de recherches, puis c'est... Le plus important, c'est surtout de garder de la rationalité, parce que c'est tellement facile de sombrer dans un extrême, comme dans l'autre paresse, celle des médias traditionnels qui veulent faire avaler que le, la pilule que tout va bien, que tout est sous contrôle et que si jamais vous n'étiez pas content, ben, vous avez juste à changer de gouvernement en votant pour un autre parti ou pour un autre président ou une autre présidente, puis tout va bien aller. <laughs> On va sauter dans un autre sujet aussi parce que c'est ça qu'on fait aussi à Freedom News Network. On explore tout, on ne parle de rien. On sait que l'histoire va être écrite, que l'histoire connue qu dans des livres c'est complètement aberrant, c'est minuscule, ça représente absolument rien. La vie c'est plus vaste que ça, l'histoire de l'humanité c'est plus vaste que ce qu'on retrouve confiné dans les livres d'histoire. C'est ce qui se passe en ce moment, c'est plus vaste que ce qu'on retrouve dans les médias. Il y a tellement de choses qui se passent qui sont cachés et qui sont pas cachés mais qu'on veut pas vous... dont on veut pas vous parler et dont on veut pas euh, non naturellement euh, analyser non plus les conséquences et ainsi de suite donc l'Atlantide j'avais parlé euh, de beaucoup de choses hein, euh, de l'histoire qu'on était de ré... en train de réécrire et plein d'autres sujets ces derniers temps puis ça m'a été envoyé par une abonnée Réjeanne qu'on salue et qui euh, parle de l'Atlantide, parce que je pense que j'ai parlé un peu de ce sujet-là, indirectement ou même directement. Et ça donne, ce que, ça donne ceci. C'est euh, une autre histoire de l'homme, l'Atlantide selon Platon, c'est sous la plume de Xavier Séguin, ça date du 2 février 2012. Mais vraiment intéressant. L'Atlantide est un sujet maudit, la plupart des historiens, proto-historiens, où l'archéologue se refuse obstinément à examiner la question autrement que pour en rire et pourtant le mythologue que je suis amoureux depuis toujours des contes et des légendes n'a pas cette sorte de prévention. Le philosophe grec Platon est notre première source d'information sur l'Atlantide. Voici un résumé de ce qu'il en dit dans le, le Timée. L'océan Atlantique était navigable en ce temps-là. Car face au détroit que vous autres Grecs appelez les colonnes d'Héraclès, s'étendait une île plus vaste que la Libye du Nord et l'Asie réunie. De là, il était possible aux voyageurs de gagner les autres îles, puis de ces îles, la totalité du, du continent qui, de l'autre côté, entoure l'océan. Là-bas, c'est un océan véritable et la terre qui l'entoure peut être appelée continent au plein sens du terme. Ne dirait-on pas la description d'une île proche de l'Amérique? Ce continent était-il connu de tout temps Or, sur une île de l'Atlantide existait une confédération des rois, puissance énorme et merveilleuse, qui avait de l'importance sur l'île, ainsi que pour beaucoup d'autres îles et sur certaines parties du continent. De plus, à partir des terres situées à l'intérieur du Détroit, il régnait sur la Libye jusqu'à l'Égypte et sur l'Europe jusqu'à la Toscane. Dans plusieurs livres, Platon mentionne l'Atlantide, ainsi nommé d'après le Titan, Atlas, fils du ciel et de la terre, et euh, frère du temps. Il évoque sa capitale Poséidonolis, ainsi nommé d'après son fondateur, le dieu Poséidon, l'égal de Zeus. Voici sa description. Quand on avait traversé les trois ports extérieurs, on trouvait un mur circulaire, commençant à la mer et partout, distant de cinquante stades de la plus grande enceinte et de son port. Ce mur venait fermé au même point d'entrée du canal du côté de la mer. On notera que le plan de Poséidolis, décrit par Platon, reproduit fidèlement le dessin de la croix celtique. De là à penser que la croix celtique est un pur souvenir de Posseidoli, Posse, pardon, il n'y a qu'un pas que je franchis sans souci. Quant aux, aux rabougris nazions qui s'imaginent que la croix celtique justifie leur idéologie merdeuse, ils se préparent une lourde déconvenue. Dans le Timé, Platon raconte comment les Athéniens déf défirent les troupes atlantes. Et dans un autre dialogue, le Critias, il décrit l'imposante Atlantide, son port, ses palais et ses lois, alléchant propos. Hélas, la fin du Critias est marquante, ou manquante, pardon. Personne ne sait si Platon a laissé le manuscrit inachevé, ou si la fin s'est perdue depuis lors. Les Hellénistes sont persuadés que Platon a inventé l'Atlantide, mais les philosophes en doutent, Platon n'est pas coutumier du fait. D'ailleurs, il n'est pas le seul à en parler. Ce continent disparu en telle la mémoire des anciens Égyptiens qui l'appelaient Amanta et le situait loin vers l'ouest. Platon est plus précis. Pour lui, cette île de la taille d'un continent occupait toute la partie centrale de l'océan Atlantique. Ses sommets émergés seraient Madère, les Canaries, les Açores et les Bermudes. La mer des Sargasses se serait formée suite à son engloutissement à l'emplacement qu'elle occupait avant de s'abîmer au fond de l'océan. Toutefois, si le continent décrit par Platon avait existé, à l'endroit où il se situe, c'est-à-dire en plein Atlantique, les fonds marins en auraient conservé la trace. Or, au centre de l'Atlantique, on ne trouve qu'une dorsale, chaîne sous-marine, dont les sommets émergents sont les Açores et d'autres îles, dont l'Islande. D'origine volcanique, les dorsales sont un élément clé de la tectonique des plaques. Ces montagnes en formation parcourent le fond de tous les océans. Au dire des géologues, il n'y a pas de possibilité que la dorsale atlantique ait pu s'entrouvrir pour avaler un continent. Pourtant, il existe de fortes présomptions que des terres aient été englouties dans l'Atlantique. Ainsi, en 1898, le câble transatlantique d'Irlande à Terre-Neuve se rompit au fond de l'océan par 3000 mètres de fond à 800 km au large des Açores. On envoyait immédiatement sur les lieux un navire spécialisé pour remonter le câble et le réparer. C'est alors qu'en draguant le fond pour retrouver le câble, le grappin remonta du fond de la mer, un échantillon de roche qui n'aurait jamais dû se trouver là. Cette roche était en effet de la tachylite, une sorte de lave vitrifiée qui ne peut se cristalliser qu'à l'air libre, mais jamais sous l'eau. Or, la tachylite se désintègre dans l'eau de mer en moins de 15 000 ans. Donc, la montagne sous-marine était émergée il y a moins de 15 000 ans. Ce volcan est-il une partie de l'Atlantique engloutie si beaucoup ont mis de, en doute la parole de Platon, beaucoup d'autres l'ont prise au sérieux. Proclus déclare la fameuse Atlantide n'existe plus, mais il n'est guère possible de douter qu'elle exista jadis. L'historien Strabon écrivait en se référant aux travaux de Poséidonius il est fort possible que l'histoire concernant l'Atlantide ne révèle pas, ne relève pas de l'imagination. S'agissant de localiser le continent disparu, les hypothèses les plus invraisemblables ont été avancées au cours des siècles. La dernière en date situe le continent englouti au ras du détroit de Gibraltar, les colonnes d'Héraclès pour Platon. C'est la thèse du géologue français Jacques Collinat-Girard qui a découvert au, un haut fond au large du cap Spartel, juste au débouché du détroit de Gibraltar. Selon lui, ce haut fond était découvert avant la montée des eaux qui a marqué la fin de la dernière glaciation. Il aurait alors formé une île de 14 km sur 5, trop petite et trop proche des colonnes d'Héraclès. Bien essayé, mais il faut chercher encore. Pas de malaise. Depuis Dogger Bank, dans la mer du Nord jusqu'à la mer de Chine, depuis le golfe du, Mel du Mexique jusqu'à l'île de Pâques, toutes les localisations ont été proposées pour l'Atlantide. Pierre-Benoît l'imagine enfoui sous les sables du Sahara, Barjavel le situe sous les glaces du pôle sud. Jules Verne et Jacob la voient au fond des mers, dans une vaste caverne souterraine. Chacun veut apporter sa pierre à l'édifice, tant est fort le mythe d'une civilisation glorieuse. L'Atlantide n'est pas perdue, elle gît quelque part au fond de notre inconscient collectif où elle semble régner pour toujours. Peut-être parce que c'est arrivé plus d'une fois, d'où les vestiges un peu partout qu'on retrouve sous les flots, les glaces ou les sables. Santorin, Dogger Bank, Massif de l'Atlas, Antarctique, pays Yoruba, Taklamakan, Golfe du Mexique, Océan Indien, Pacifique. L'Atlantide n'est pas introuvable, elle, elle est présente au fond de tous les océans parce qu'elle faisait partie d'une civilisation planétaire. Vraiment intéressant, je vous laisserai le lien de tout ça dans la boîte de description. Je reviens que d'autres choses aussi fascinantes.